Salut, c'est Sébastien, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment trouver et comment recruter son city manager pour sa conciergerie d'appartement. Comme tu le sais, à chaque fois, je te présente quoi? Ben, je te présente le générique tout simplement de mes vidéos où tu vas découvrir qui je suis en l'espace de quelques secondes. Et donc pour ça, je te balance le générique. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu ne l'as peut-être pas encore fait. Eh bien, franchement, pourquoi tu ne le fais pas? Ça te prend quelques secondes. Et tout simplement, en faisant cette petite action, ça va te permettre d'être notifié les prochaines fois. Je vais te livrer des vidéos sur justement des sujets qui vont t'intéresser. Tout ce qui est lié autour de l'entrepreneuriat, tout ce qui est lié autour de la conciergerie d'appartement, de la sous-location, mais également autour de l'immobilier, l'investissement locatif. Donc, si toi aussi, tu veux recevoir, comme les dizaines de milliers de personnes qui l'ont déjà fait, eh bien, les notifications de ces prochaine vidéo, je t'invite tout de suite à t'abonner et à cliquer sur la petite clochette et comme ça tu vas recevoir des notifications. Avant de commencer, je vais t'offrir tout de suite une formation sur comment te lancer dans la conciergerie d'appartement, comment monter un business en partant de zéro, sans crédit bancaire. Eh bien, et en gérant des appartements, eh bien, c'est la conciergerie d'appartements. Tu découvres tout ça dans la partie commentaires, tu récupères cette formation gratuite et comme ça, toi aussi, tu vas pouvoir te lancer très prochainement dans ce type de business que je fais au quotidien. Comme tu le sais, je suis entrepreneur depuis maintenant plus de 20 ans dans différents domaines et là, aujourd'hui, je suis vraiment spécialisé dans la conciergerie, l'investissement locatif et tout ce qui est lié autour de la sous-location. Aujourd'hui, donc, conciergerie d'appartements et comment, eh bien, avoir... Et comment recruter un city manager? Alors avant de commencer, j'aurais vraiment déjà définir le rôle d'un city manager et pourquoi il faut un city manager. Le city manager, c'est finalement un terme qui désigne le manager. Comme dans un magasin, tu as tout le temps un manager, c'est un petit peu le gérant du magasin. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va gérer le personnel, c'est quelqu'un qui va gérer notamment le personnel de nettoyage, c'est-à-dire qui va coordonner les calendriers, qui va vérifier que tout se passe bien. C'est aussi quelqu'un qui va être en contact avec les clients. Donc les clients, ceux qui réservent les appartements, mais aussi qui peut très bien prendre la fonction d'être en contact avec les propriétaires qui cherchent à nous soumettre et qui cherchent à déléguer leur appartement dans le cadre de notre société. En fonction du niveau de ton entreprise, le rôle du city manager va un petit peu changer et varier. Très sincèrement, sa mission première au départ, quand on le recrute, c'est très clairement de gérer l'équipe de ménage, gérer éventuellement tout ce qui est partie linge, enfin gérer on va dire la production. D'accord? Là, tout ce qui est nécessaire pour que les appartements puissent tourner et qu'on puisse réaliser les ménages. Donc, c'est vraiment plus focus sur les ménages. Après, on va lui donner des tâches supplémentaires. Les tâches supplémentaires, ça va être aussi gérer les messages avec les voyageurs. Ça va être en contact avec les voyageurs quand il y a des soucis. C'est-à-dire que si, par exemple, dans un appartement, il y a un problème, n'importe quoi, un problème de chauffe-eau, un problème de chauffage, quelque chose qui est abîmé, cassé, etc., c'est sa mission. C'est lui qui va, eh bien, tout simplement recruter d'autres personnes qui vont lui permettre, enfin, qui vont nous permettre de résoudre ces petits soucis, mais c'est lui qui va finalement être le chef d'orchestre, c'est lui qui va coordonner les différents corps de métier pour que tout ça finalement puisse eh bien, se faire dans des bonnes augures. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fonction de la taille de ton entreprise, eh bien, ton city manager sera peut-être amené à faire d'autres choses. Aujourd'hui, nous, dans le cadre de ma société, ce qu'on a fait, c'est que effectivement, c'est moi qui m'occupe plus de la partie commerciale, mais bien que cette partie-là, de plus en plus, je vais être tenté de la déléguer à nouveau. Peut-être au city manager, mais je ne crois pas parce que franchement, il est déjà bien débordé, mais peut-être à quelqu'un d'autre qui sera plus commercial, c'est-à-dire qui va jouer son rôle de commercial. Moi, je serai plus en mode pilotage à l'entreprise, je le suis déjà, mais c'est vrai que c'est moi qui fais toute cette partie, eh bien, contact avec les propriétaires quand les appartements rentrent dans ma conciergerie. Tout simplement parce que ça me permet aussi d'avoir une vue sur ce qui va se passer et l'évolution de l'entreprise. Donc, cette partie-là, tu peux aussi très bien la déléguer à ton city manager, mais attention, et on va en parler après, parce que pour moi, le city manager, c'est plutôt quelqu'un qui est dans la production, plutôt que ce soit quelqu'un qui soit au contraire, et généralement, ce n'est pas le même profil. Donc, même s'il peut être amené à le faire, pour moi, ce n'est pas vraiment sa mission. Par contre, sa mission, c'est vraiment être en contact avec les voyageurs, être en contact avec le personnel de ménage, être en contact avec différents corps de métier qu'on a besoin pour la bonne gestion et la bonne gestion des appartements. Mais la partie commerciale, pour moi, ça devrait plutôt être à toi de le faire ou au contraire, le déléguer à une société commerciale ou peut-être à un commercial que tu vas recruter qui va faire que ça. Encore une fois, ça va vraiment dépendre de quel moment tu es dans ta société et à quelle étape tu es rendu.
Donc le City Manager, sa fonction, c'est principalement ça. Il peut aussi participer des fois au transfert des sacs ou d'éléments qu'on aurait besoin dans nos appartements. Ce que je veux dire aussi, c'est que quand on fait, et moi ce qu'on fait généralement, c'est que c'est moi qui au départ fais la partie commerciale, qui donc est en contact avec les propriétaires, mais très vite je délègue, c'est-à-dire que très vite je transfère la mise en place, parce qu'après il y a vraiment, dans le cas d'une conciergerie, il y a vraiment plusieurs étapes. Il y a la partie commerciale vente, c'est-à-dire que là on se vend et on essaie de remporter un contrat et de signer un contrat. Il y a ensuite la phase de mise en place de l'appartement, donc là à mon sens c'est le city manager, mais ça peut être aussi un responsable plus product, plus exploitation, dans le sens mise en œuvre d'un appartement. Ça peut être aussi quelqu'un qui va réceptionner les meubles, qui va monter les meubles, mais tout ça encore une fois sous le contrôle et le pilotage du city manager. Ensuite, on a la partie exploitation pure où là, du coup, c'est, comme je te le disais, gestion des ménages, gestion des litiges, etc., etc. Et donc là, pour moi, c'est vraiment la fonction de ton city manager. Alors ensuite, tu vas me poser la question maintenant, et on y vient sur la partie qui va très certainement t'intéresser, c'est comment trouver un city manager? Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui joue quand même une pièce maîtresse dans l'entreprise. Donc pour moi, ça ne peut pas être quelqu'un qui est juste rémunéré, qui a juste un salaire comme tout le monde. Pour moi, c'est quelqu'un qui doit être embarqué dans l'aventure de l'entreprise. Donc qui dit embarqué et qui dit impliqué dans la bonne gestion de l'entreprise, c'est quelqu'un qui soit va être commissionné, soit qui va peut-être avoir des parts de ton entreprise. Et moi, tu vois, le schéma que je vois bien, c'est un city manager, on va dire, principal, parce que peut-être qu'il y en aura d'autres aussi dans ta ville si effectivement le nombre d'appartements explose, il en faudra peut-être un deuxième, etc. Mais pour moi, il y en a un responsable, le principal, quelque part, c'est celui qui a permis à l'entreprise de naître et à l'entreprise de décoller. Eh bien, celui-ci, à mon sens, tu dois lui donner des... Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est que je lui ai tout simplement donné des parts de mon entreprise. C'est peut-être pas forcément des parts que tu dois faire, peut-être que ça peut être aussi un pourcentage sur les bénéfices, tous les mois, par exemple, pour qu'il soit complètement impliqué. Et à mon sens, pour le coup, une association avec un city manager ne se fait pas tout de suite au départ, parce que si toi qui es le moteur de la création de ton entreprise, et je le dis souvent, l'association doit vraiment reposer sur des compétences particulières qu'a ton associé. Mais dans le cas du city manager, il y a quand même une compétence particulière, ça va être quand même que le city manager, c'est quand même quelqu'un qui est sur tous les fronts, très souvent, qui est disponible très souvent, et donc du coup il a quand même une fonction quelque part de gérant de l'entreprise. Donc si par exemple tu es en SARL, on peut très bien imaginer que c'est un gérant, il est gérant de la SARL, pourquoi pas, c'est tout à fait envisageable. Il peut aussi être gérant sans forcément être associé, ça c'est tout à fait possible, donc il a une fonction vraiment bien déterminée. Dans le cas d'une société, dans le cas par exemple d'une SAS, ça peut très bien être le directeur, le directeur exploitation. Après, tu auras peut-être un directeur commercial, etc., etc. Donc, tu comprends un petit peu l'enjeu. Ça peut être aussi le directeur général, si vraiment c'est quelqu'un de compétent. Mais à mon sens, un poste de city manager n'est pas forcément un poste de directeur général dans l'entreprise. Et toi, au contraire, et moi aujourd'hui, je suis plutôt président de ma société. Ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que, encore une fois, l'association doit reposer vraiment sur des compétences particulières qu'amène chacun des associés. Ok, moi, dans le cas spécifique de cette société, je l'ai toujours vu comme un actif, je l'ai toujours vu comme la création d'une entreprise complémentaire à ce que je fais aujourd'hui. D'accord ? C'est-à-dire que je ne l'ai pas vu comme... Moi, je l'ai vu vraiment comme un actif. Je ne l'ai pas vu comme une société où derrière, je dois absolument me reverser un salaire. Je le vois vraiment en mode investisseur. Et donc, mon analyse que j'ai eue sur cette création d'entreprise, c'est donner des parts à mon city manager pour qu'il soit vraiment impliqué dans l'entreprise. Et pour lui, c'est quelque part, il sait que là, il a beaucoup à jouer, il a gros à jouer, parce que c'est sa boîte aussi, quoi. Et il a des parts dans la boîte, tu vois ce que je veux dire? L'impact n'est pas du tout le même. Par contre, si toi, tu es plutôt dans une logique non pas d'investissement, mais plutôt parce que derrière, c'est tu crées ton business et que tu veux vivre de ton business, là, je ne recommande pas forcément de donner des parts. Ça va vraiment dépendre, ou peut-être le faire plus tard. Mais qui dit plus tard, dit aussi que la société, il faudra qu'elle soit valorisée, et donc ça veut dire que les parts vont être beaucoup plus chères
pour l'accession à la, comment dirais-je, aux parts de l'entreprise. Moi, c'est fait en deux étapes, d'accord ? Donc du coup, ça a été beaucoup plus simple à mettre en place et c'est quelqu'un que j'ai pu tester pendant 6 mois auparavant, avec qui aussi que je connaissais, avec qui j'avais un bon feeling, qui est vraiment quelqu'un de remarquable. Et du coup, c'est pour ça que l'association s'est très bien réalisée. Mais si tu ne connais pas la personne, on peut pas s'associer demain, du jour au lendemain, tu l'as compris, sur simple fait qu'on a échangé quelques messages et qu'on se connaît que depuis 2-3 mois. Ça, c'est pas possible, quoi. On peut pas s'associer dans ces méthodes-là, surtout si toute l'idée et le business au départ repose sur toi. Encore une fois, mon cas à moi n'est pas un cas général, d'accord ? C'est un cas particulier, dans une configuration particulière. Mais si toi, c'est ton entreprise, c'est ta création d'entreprise, c'est tes idées, ton city manager, pas besoin de l'associer. Par contre, c'est le commissionner et le rémunérer suffisamment de manière importante. Parce que c'est quand même quelqu'un qui va enchaîner les heures, c'est quelqu'un qui va être sur le pont, c'est quelqu'un qui va gérer les équipes et qui va avoir quand même de lourdes responsabilités. Donc c'est quelqu'un qui doit être rémunéré à la hauteur de tout ça. Alors combien ? C'est clair, ça ne peut pas être le SMIC, c'est clair, ça ne peut pas être 1500 euros. Pour moi, c'est au moins 2000 euros par mois qu'il ait un revenu de manager. Hein. Un manager, c'est comme quelqu'un qui gagne au moins 2000 euros par mois. Donc peut-être que tu peux mettre un fixe un petit peu en dessous, peut-être à 1800 euros, peut-être un petit peu moins, mais que derrière, eh bien, sa rémunération soit calée à la rentabilité de la boîte et que du coup, en fonction qu'il y a de plus en plus d'appartements, bah, lui, il gagne de plus en plus. D'accord ? Alors tu vas dire, bah oui, mais dans ces cas-là, donc tu considères que c'est un salarié. À mon sens, on est quand même une société commerciale de prestations de services. J'entends beaucoup de gens qui font tout des auto-entrepreneurs. Pour moi, je ne crois pas que c'est la bonne méthode, ou du moins, ça peut être une méthode temporaire pour lancer sa boîte. Mais quand on est dans le cadre d'une pérennisation et que l'entreprise se développe, pour moi, on ne peut pas tout laisser reposer sur des auto-entrepreneurs qui ne sont pas impliqués dans l'entreprise. D'accord ? C'est pas des gens qui sont vraiment à 100% d'entreprise. Et un city manager, s'il bosse dans d'autres boîtes, etc., je vois pas comment il peut être à 100% impliqué dans le développement de la boîte. Sauf si toi derrière tu fais vraiment beaucoup de tâches et que lui ses tâches se limitent peut-être à juste gérer le personnel, mais encore, parce que je suis certain que c'est toi aussi qui va être au quotidien sur le pont. Donc si tu veux vraiment des résultats dans ton entreprise, il faut que ce soit quelqu'un, à mon sens, que tu salaries, qui ait des conditions de travail, qui soit peut-être qui cotise à la caisse des cadres. Oui, ça veut dire une cotisation plus chère, mais ça veut dire quand même qu'en face de toi tu as un manager, un responsable, d'accord? Donc c'est quelqu'un qu'il va falloir que tu formes. Donc pour moi, la réponse, elle est claire, quoi. C'est soit c'est quelqu'un que tu payes bien, qui est salarié, soit c'est quelqu'un que tu mets dans les parts de l'entreprise et qui peut te permettre, effectivement, peut-être de le payer moins cher et lui dire, par contre, en contrepartie, tu as des parts dans la boîte. Ça veut dire qu'en fin d'année, s'il y a des bénéfices, on se partage les bénéfices. Alors, je te dis pas de faire moitié-moitié, hein. Tu peux peut-être donner 10, 15, 20% de ton entreprise, maximum, peut-être 10% ou 15, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va nettement l'impliquer. Il va se sentir vraiment impliqué dans l'entreprise et ça te permet aussi de toujours avoir la prise de décision sur... Enfin, c'est toi qui vas décider de l'avenir de la boîte, des décisions finales de l'entreprise parce que tu auras la majorité que lui n'aura pas. Lui sera plus en mode finalement investisseur dans cette entreprise-là. Donc pour moi, ça me paraît important d'avoir ces solutions-là. C'est ce qui va te permettre de fidéliser un city manager et c'est surtout, encore une fois, que ça va être ton bras droit. Ça va être quelqu'un qui va vraiment au quotidien te suppléer. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu veux créer ton entreprise et t'as deux, etc. Donc peut-être qu'il y en a un qui va peut-être plus jouer le rôle de city manager qu'un autre. Mais tu verras aussi que quand l'entreprise va se développer, eh bien, il y a des postes qui se dessinent comme le poste de commercial et peut-être que ton associé a peut-être plus une casquette commerciale et c'est peut-être plus comme ça qu'il faut chercher. Toi, tu as peut-être plus une casquette de chef d'entreprise ou peut-être qu'a des compétences particulières en marketing, en communication, etc., etc. Ou peut-être aussi commercial à voir. Mais quand on est associé, c'est bien de ne pas avoir les mêmes compétences dans l'association, que chacun ait son domaine de compétences pour ne pas se marcher sur les pieds et pour faire en sorte que l'activité dure le plus longtemps possible. Mais tu verras que sur la partie exploitation, ça, c'est le rôle du city manager. Et le rôle du city manager, c'est quelqu'un justement qu'on doit soit salarier, soit éventuellement donner des parts dans son entreprise. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que rien ne t'empêche, parce qu'il ne faut pas partir non plus dans l'idée de se dire que derrière demain, tu auras peut-être 200 appartements. Si déjà tu arrives à avoir une cinquantaine d'appartements, voire une centaine d'appartements, c'est déjà un très beau parcours. Et peut-être que la suite de ton entreprise, ça va plutôt être de se dire, est-ce que je vais pas sur une autre ville ou est-ce que je ne fais pas de la croissance externe et que je ne vais pas racheter une autre entreprise. Et là, pour le coup, il y aura un autre city manager. Tu comprends? Parce que
tout miser forcément sur sa ville, c'est peut-être pas forcément très judicieux. Si ça marche bien dans une ville et que tu as commencé à vraiment bien entourer et bien encadrer ton entreprise, peut-être que l'idée, ça serait plutôt d'aller voir sur une autre ville ou de racheter une autre société. Et du coup, placer un autre city manager qui va gérer une autre ville. Et rien ne t'empêche après, ensuite, avant toi, donc tu serais toi en top position, et peut-être avant les city managers de plusieurs villes, et bien peut-être avoir un directeur général qui pour le coup va piloter l'ensemble des managers. Tu vois, il y a vraiment un schéma à construire, un schéma hiérarchique pour faire en sorte que ensuite tu pilotes toutes tes villes. Au départ, tu vas piloter la ville hein, étape par étape, mais il faut quand même, à mon sens, l'anticiper, il faut quand même le préparer et ne pas trop promettre de choses non plus aux personnes que tu vas recruter, parce que peut-être que demain, il sera incapable de gérer peut-être trop d'appartements. Et que du coup, son poste, à l'instant T, peut-être c'est City Manager, peut-être qu'après, il sera peut-être un niveau supérieur parce qu'il aura les compétences, mais peut-être qu'au contraire, il restera City Manager. Et donc, faut pas trop, à mon sens, leur donner trop de... d'espoir non plus, qu'il y a un risque après de déception. Et encore une fois, l'organisation d'une entreprise, eh bien, ça va se faire en fonction du nombre d'appartements, en fonction du business, en fonction de l'activité qui est dedans. Et ça bouge tout le temps. Chaque année, on n'a pas du tout la même activité, on n'a pas du tout le même business, et donc il faut tout simplement adapter. Mais ça, faut aussi le faire comprendre aux personnes qui vont t'entourer, aux city managers notamment, que l'entreprise va évoluer et qu'il y a des postes qui vont peut-être se dessiner ou peut-être qu'il restera à ce poste-là. Ça va dépendre de toi. C'est toi qui restes le boss, c'est toi qui restes le patron. C'est ton entreprise, c'est ta création d'entreprise. Donc, c'est pour ça, attention avec l'association. J'ai déjà fait des vidéos par rapport à ça. L'association, encore une fois, j'insiste, c'est vraiment des compétences particulières qu'a chacun. Si c'est juste, il fait telle ou telle tâche en entreprise, l'association ne se dessine pas. Encore une fois, moi, dans le cadre de ce que j'ai fait ici, c'est parce que c'est un schéma différent. Moi, je me vois vraiment comme un investisseur, d'accord? Et mon city manager, je vois peut-être quelqu'un comme mon repreneur, mon successeur. C'est-à-dire quelqu'un qui va ensuite, très certainement, peut-être reprendre mon entreprise. Il avait déjà créé une entreprise. Donc voilà, il n'est pas nouveau là-dedans non plus. Il a aussi quand même de l'expérience. Donc quelque part, j'ai reposé ça sur cette personne-là. Maintenant, la vie fait que, et l'évolution de l'entreprise fait que tout ça peut changer. On peut aussi, je peux changer d'avis. Je peux revoir mes façons de procéder. Hein. Une entreprise, c'est ça. Hein. Faut pas croire que tout est inscrit dans le marbre. On peut changer. Moi, je me rappelle très bien, et je crois que c'était Xavier Niel de Free qui, à un moment donné, disait, il est à deux doigts de vendre sa boîte. Et finalement, le lendemain, il avait rendez-vous chez l'avocat. Et finalement, il s'est rétracté, quoi. Il s'est rétracté. Donc, vous voyez bien que même dans les grands chefs d'entreprise sont aussi dans les mêmes questions. Au quotidien, ils se posent des questions. Et il n'y a rien de mal à changer d'avis du jour au lendemain. Parce que j'entends beaucoup de personnes qui disent « Oui, tu changes souvent d'avis. » Mais c'est ça l'entrepreneuriat. C'est savoir prendre des décisions au bon moment. Donc, si à un moment donné, le moment arrive et que tu te rends compte que ce n'est pas la bonne décision, eh bien, tu changes. À partir du moment où tu n'as rien signé, rien n'a été acté, j'ai envie de te dire, on peut changer. Alors après, il y a aussi la crédibilité, la confiance qu'on va avoir dans toi, bien évidemment. Mais ça reste l'entrepreneuriat, et l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de qui est tout le temps en mouvement, quoi. Ok, voilà un petit peu ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la commenter, n'hésite pas à la partager. Voilà, je pense que si cette vidéo t'a vraiment plu, je crois que c'est vraiment, à mon sens, le bon moment pour lâcher quoi. Et bien, lâcher tout simplement le gros pouce bleu sur cette vidéo. On a terminé. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao !